Ah bonjour YouTube, bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour ton let's play préféré, à n'en point douter, avec ton joueur préféré. Bonjour Totonin. Salut. Ça va bien? Bien, t'as vu? Je me fais racketter, au secours. Voilà, alors ouais, parce que ça il en pouvait déjà plus du jeu, mais bon j'ai dit bon, au bout d'un moment vous cassez les couilles les gars, j'ai plus aucun pote pour jouer au jeu, c'est chiant quoi. Vous êtes censé être mes potes, voilà. J'essayais de les prendre par les sentiments, ils en avaient pas. Si vous voulez jouer à force de Kimo, attends, DLC, comment on ouvre la carte déjà? C'est vrai. Alors, moi, c'est pas ce que je faisais tout de suite. Ce que je voulais faire tout de suite, c'était juste bouger nos camtars. Alors, ils m'ont filé un camtar avec de l'essence. Pour une fois. Ouais, mais du coup, ce serait bien de voir si toi, t'as quoi sur ton deuxième camtar. Parce que moi, mon premier, il est vide. Mon deuxième, pour mon. Attends, moi déjà, là, j'ai les réparations. J'ai une semi-remorque utilitaire. Semi-remorque utilitaire est où? Comment on nous la garde putain dans le jeu? Quoi? C'est trop pris gros. C'est t'as la manette ou t'es sur PC? Sur PC, remorque chargée. Mais je vois pas, elle est où? Ah, petite remorque chargée, elle est là, remorque utilitaire, elle est là. Wouh! Moi sur manette c'est select, hein, c'est back, tout ça quoi. Ouais, mais j'ai plus de piles dans ma manette. Bah j'en sais rien moi, tu fais ce que tu veux, mon bon monsieur. Mais j'appuie sur les touches de map d'habitude et ça marche pas. Non, tu fais ce que tu veux. Les jeux normaux. Putain, évidemment, hein, j'ai vu que je ne pas éditorial là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être en intégrale pour ça? Ouais. Non. Je vais bien en boîte auto. Ouais, peut-être. Non, non, alors déjà, je trouvais que personne. C'est bon ça. Attends. Tu vois le chat? J'ai perdu. C'est vu? Ah, ah c'était ok, c'est juste ça qui marchait. Hein? Non? Non? Oui. Bon, bah, on va rouler jusqu'à ton dorade. Hey, ils m'ont filé un camion plein en carburant. Alors, ça, c'est quelque chose. À la carte, c'est F1. Ouais, waouh, très intuitif, les mecs, bien joué. Alors sache qu'on a qu'une seule. On a qu'une seule station essence. Et sur mon 530. Sur mon gros truc, j'ai rien. T'as rien? Non. Et j'ai que de la répa. Et il est même pas plein. J'ai que 180. Oh le gars qui s'est fait escroquer. C'est moi qui me fais escroquer en plus dans le groupe. Ah, il faut bien Yankee, hein. Pour l'instant, je te fais juste l'éclairage de route, hein. J'avoue, je fais pas plus ça. Bah, je vais aller essayer de chercher le point de vue, moi. Je sais pas où ils sont pour l'instant, je vraiment juste. Je check la carte quoi, je fais un petit tour. Je vois comment ça se passe. Le point d'équilibre du humeur, on est d'accord que c'est chill hein. Point d'équilibre du humeur, il y en a pas. Ah, non, bah, je veux dire, genre l'équilibre, le poids avec où? Milieu? Il y en a pas. Ah, non, il y a un peu partout. C'était très embêtant ça, parce que ça ressemblait vraiment à la fin du monde, mon truc là. Où je suis arrivé là. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de route. J'ai l'impression que je suis en train de perdre mon camion à l'autre bout du monde. Alors qu'évidemment, c'est pas le cas. Il y a forcément une tuile après ça. Ouais, alors il faut chancer de trouver un bout de route à partir d'ici là. À partir de là, c'est moi qui ai créé la route. Bon bah, création de route, hein. On s'est chaussé. À ce point-là? Ouais, il y a la route, et puis il y a même pas genre un début de chemin, c'est genre, y'a rien, débrouille-toi.
la map les marais quoi. Ferme ta gueule, ville de police. Alors si là je crois qu'à gauche ça ressemble à un début de route, non? Ils ont voulu faire un truc ici, je sais pas. Ah bravo! Ce soldat du 44, bien t'as vu. Ah attends, un point de vue. Attends, mais y'a vraiment pas de route là où tu passes? Non non, là, je suis dans la. Je suis dans les marais là. Vraiment, ouais. Les deux pieds dans l'eau et tout. Ouais, je. C'est cul de sac en fait là où je suis. Hein. Et pourtant, ça continue. Donc, et vu que ça roule pas trop mal, bon, parce que j'ai le très gros, donc forcément ça roule toujours pas trop mal. J'ai l'un des deux très gros. Forcément, il va peut-être ça va. Bon, je crois que j'ai vu une remorque avec du bois là. Bon, monsieur, je crois que je vois du bois là. Du bois là. Je vois une remorque. Ça pousse. C'est bien ou pas? Alors c'est une remorque sur du bois. On n'en sait rien, je vais aller voir. On va peut-être pas couper comme ça moi. Petite remorque chargée de The Soldier du 44. Ah monsieur, j'ai trouvé ta remorque à Wab. Ah ouais? Au milieu de nulle part, ça quel plaisir. Et je peux la prendre avec le gros ou quoi? De toute façon, au pire, tu sais quoi, tu la traînes avec un câble. Hein. Bah oui. Alors sache que là où je suis, c'est de la merde. Ah, mais il y a une remorque aussi, je crois, pour moi. C'est pour moi, ça? Ah ouais, je peux récupérer. Bah, vas-y, je la récupère. Bon, j'ai une station de service au bout avec un point de vue. Est-ce que je peux me mettre un point là-dessus là? Voilà. Ok. Bon, vas-y, on va continuer. C'est parti, là, tout le monde. Faut juste pas regarder derrière soi des fois. Mais Pourquoi? Ouais, fais des trucs, fais des machins. Je sais pas trop. Il se passe des choses, puis après quand je retourne, elle est à nouveau droite. C'est genre t'as trop l'impression, c'est. T'as l'impression qu'il se passe rien. Tu te tournes, tu vois un début de bordel, puis hop, tu retournes du coup en mode normal. Et il te fait non non c'est bon en fait. La remorque qu'elle est droite. En train de la déboîter. Remorque utilitaire pour The Soldier du 44, monsieur. Bon bah moi j'ai plus de Hummer, il a été détruit par un truc. Ah oh, c'est bien dommage ça. Ok. Ouais mais attends. Dans... Ah oui je peux pas accéder à mes avancées, mais parce que moi j'ai une roue de secours, à la limite je peux venir réparer ton Hummer. Non, pas possible là où il est, tu passeras pas. Il est dans les montagnes? Ouais. Bah, je peux passer moi dans les montagnes, mec. Non, pas là où il est, je crois pas. Il est entre deux montagnes. Écoute, je continue la visite du quartier tant que j'y suis. Là, je vais avoir une plan. Ah, et je vais pouvoir débloquer un Chevrolet Napco 3100 pour Monsieur The Soldier du 44. Attention, Monsieur The Soldier du 44. Êtes-vous prêt à récupérer votre Chevrolet ainsi que deux petites remorques, monsieur? Voilà, ça me fait plaisir, c'est la France. D'une seule? Deux supplémentaires. Hein. Et au passage, j'ai un point de vue juste à côté. Bon, je l'ai pas débloqué parce que je me trimballe avec une petite remorque à la. Vas-y, je vais le faire avec le Chevrolet. Il est où? Bah, juste en face de ton Chevrolet. Ah ouais, mais Chevrolet, c'est un peu tété. Hein. Ouais, mais je crois que les petites remorques sont faites pour, par contre. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûr, mais regarde les petites remorques claquées, là. Alors moi, j'arrive ici, certes, mais ça a l'air d'être le bout du monde, ici. Oui, monsieur. Ah, je viens de caler mon moteur. Si j'avais un véhicule de fragile, c'est-à-dire pas un véhicule russe,
j'aurais cassé mon moteur. Mais heureusement, mon matériel est russe. Bien joué mec, t'as atteint un point de vue, ça fait plaisir ça. Les petites remorques qu'on fait pour, c'est en train de dire. Où est-ce qu'elles sont? Petites remorques, Narfang. T'as un Chevrolet aussi, Narco, c'est tiennes, à cet endroit-là. Non, c'est les tiennes. Ah, c'est les miennes. Ah, c'est dommage que je puisse pas me faire en petit train de petite remorque. Mais en fait, c'est les tiennes et les miennes par-dessus, je crois. Ah, ok, ouais, c'est possible. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est elles avaient une texture. Donc ouais, on a tous les deux à chaque fois trois petites remorques. Ouais, mais c'est des remorques à même pas un point, ça. C'est quoi cette merde? C'est des remorques à un demi-point ou c'est comment? Bah moi, je sors un gros ton. Le truc, le fil des bouts de bois, gros comme une de mes roues. Hein? Allô? De la gueule de qui là? On va arrêter de faire du bois, je vais ramener mes pneus, ce sera mieux. On va remonter le pneus, ce sera plus facile. Oh. Attends, mais c'est quoi comme remorque que j'ai? C'est une remorque unitaire? C'est une remorque chargée? Quoi? Pourquoi il y a encore un Chevrolet sous couvert? J'ai un Chevrolet aussi. Ah, oui. J'ai un D537, mais c'est chaud en fait. Tracter une remorque là? De quoi? T'es en train de tracter une remorque? Ouais, je la vois pas, elle est pas tout. On va dire que je tracte une remorque. Mais sache que t'as aussi une remorque utilitaire là à côté de la station service, puis t'as ta station service. On est pas mal ici, c'est sympa, c'est charmant. Bon, l'endroit est cool. Ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai ramené un gros camion russe. Du coup, la Syrie, c'est de l'autre côté. Alors, par contre, il y a un peu une grosse montagne qui est censée nous empêcher d'y accéder. Est-ce que ça nous empêche vraiment d'y accéder? C'est la question. Mais je pense que c'est volontairement fait pour qu'on s'achie à faire tout un tour de carte. Ouais. Est-ce que les mecs ont été comme ça? Non mais je suis sûr qu'il y a moyen avec un D537 d'arnaquer des trucs. Eh, je joue avec un camion russe mec hein, c'est pas pour respecter les règles. Voilà. Ah bah, tu vois, regarde, il y a un petit chemin qui court dans la colline. Bon, je peux pas trop le prendre parce que ça a été fait pour des planeurs, des mobilettes hein. Je suis pas trop gabarit mobile. Mais regarde, si, il y a un petit chemin dans la montagne là. Ah, tu sais quoi, je vais essayer de le dessiner sur la map. Je suis, regarde, je suis. Le chemin de boue là. Regarde, t'as vu? Fais une blague, frère. Il y a vraiment un petit chemin. Alors, c'est vraiment le petit chemin pour les véhicules éclaireurs normalement, mais. Je suis pas petit, mais je suis éclaireur quand même. Bon, faut pas être trop exigeant sur le mot éclaireur, mais. C'est de l'éclaireur super lourd, d'accord, mais. Ça éclaire quand même. Ah, c'est ça, exactement. J'ai des phares, ça compte. J'ai 600 litres de fuel, mais ça compte. Sans compter ma réserve. Regarde, si on en verse un peu dans l'air dès qu'on met en feu, ça éclaire aussi. Ça compte. Exactement. Finalement, très bon éclaireur. D'ailleurs, j'ai enlevé. Ah non, le repère il est sur la Syrie, il est là-bas. Non, mais mec, trop bien. En fait, non, j'ai trouvé le chemin. On est refait. Faire des allers-retours de remorque, en plus là c'est facile puisque enfin il faut voir combien la petite remorque rapporte de points, parce qu'effectivement si c'est un point la petite remorque passe une mauvaise journée. On va trouver une alternative parce qu'on va sinon on va encore passer 6 heures là. Ouais, en vrai de toute façon je suis en train de ramener les premiers points. Ok, mais je pense que ça vaut aucun point hein. Oh si ça doit avoir. Ok, là je retrouve un bout de chemin. Pareil, j'irai au bout de ce chemin pour voir un peu ce que ça donne, tout ça. Alors, j'allais sauter comme un gros suicidaire, mais on a dit qu'on éclairait le chemin. Alors, on se regarde entre lumière, voilà. Je suis un véhicule éclaireur, d'accord? Oh, il y a le mec, il a sa petite boîte aux lettres. Oh, c'est trop mignon! Le mec, il habite au milieu du trou du cul du monde, il s'est mis... Il passe pas dans les villages. Mais c'est ça! C'est même pas un village, je veux dire, le mec est au milieu de nulle part, il est entre deux chaînes de montagnes.
Il s'est mis une petite boîte aux lettres. Oh, c'est trop mignon. Ça, tu sais quoi? C'est la preuve d'un homme marié, ça. Toi, tu vois, c'est une femme qui a pensé à des détails qui servent à rien, évidemment. C'est un plaisir, ça. Je risque d'avoir un problème sur le court terme. Mais attends, tu vas encore bloquer tous tes camions, c'est ça le projet? Non, celui-là, il va trouver en pleine descente. Votre camion transporte aucun chargement. Mais manche, t'es mort. C'est ce que j'ai à dire. Ce qui veut dire que il faudrait que je prenne... Ah oui, j'ai 1 milliard de remorques à la con. Ah non, toi, t'es au départ. C'est le Chevrolet que je veux. Chevrolet. J'ai des outils de réparation. Ouais, je peux me réparer. Trop bien. Mais Chevrolet... Ouais, alors, Chevrolet, Chevrolet, est-ce qu'il pouvait prendre les petites remorques à la con ou pas du tout? Ouais. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Ok. Non, mais... Ouais, c'est vrai que... Un peu bourrin. Voilà. Attends, c'est des remorques de quoi ça? C'est des petites remorques de réparation. Ça, c'est pour débloquer un garage. Mais on a un garage quelque part sur la carte. Je sais pas. Ça sert à quoi ces petites remorques à la con? Je crois qu'il y a un garage quelque part, mais on n'a pas dû le trouver. Ouais, j'ai une vague impression. Je crois que le garage doit être de l'autre côté du spawn, tu vois. Oh la bifle! Oh la bifle que je me suis collé! Magnifique. Attends, parce que là, clairement, je crois que là, va falloir prévoir le dépannage. Ah, on en est là. Ah. Ah, il peut même pas remorquer ma remorque, parfait. Parce qu'il me reste 92 litres dans le réservoir là, c'est la merde. Ah, attends, quoi que j'ai retrouvé de la route. Ok, c'est juste des outils de réparation que je m'emmerde à trimballer là. Ça intéresse personne. Tout ce qui nous intéresse, c'est de livrer du bois. Ouais, donc le petit Ford en véhicule éclair, c'est parti. Toucher la boue, je vais m'enliser sur page pour en avoir pour 20 jours. Bah non, t'as un bloc différencié des liens intégrales. Ah, c'est compliqué, mec. C'est compliqué. Pas très exigeant, hein. Bon, après, je pourrais peut-être le mettre en un coup. Bon, ça va, hein. Ça serait. Oh, c'est nerveux, en fait, hein, ça tient, hein. Ouais. On est là, on râle, mais le Ford il envoie. Oh, t'es sérieux le jeu? Oh, envoyé un peu trop fort le... Aïe. Oh putain, c'est fini. J'ai pété le Ford. Le Ford est décédé, c'était bien. Non, t'as de la réparation dans ton dos, non? Non, c'est trop tard, il a fait une retournée acrobatique, j'ai déjà cramé toute ma rep, y'a plus rien. Attends, j'arrive, j'ai le mien qui est à côté. Putain, c'est quoi la petite remorque chargée là? C'est du WAP, c'est quoi? Je sais pas là. Ouais, si, ça doit être. Moi j'ai de la répa dedans, j'arrive. Comment ça j'ai pris un dommage? Non, mais je crois que cette carte Knarfang, c'est pas pour nous. Hein. Non mais si, c'est vraiment notre destin de se faire chier là-dedans. Par contre j'avoue, cette carte veut pas trop que tu joues, hein, quand il commence à te faire... Regarde, en fait je t'ai mis que des mini remorques chargées. Il y a pas de point pour charger du bois, que toi t'arrives avec tes gros camions russes, tu fais... Je crois que le jeu il veut pas que je joue. Oh c'est beau. Est-ce que tu veux encore m'en mettre? Non, il faut que je répare l'autre. Ah. Bon. L'autre il a pris à 800 dégâts de je ne sais où. C'est embêtant. Vraiment, genre tout à l'heure, j'étais en train de rouler avec mon Chevrolet. Bah, point de dégâts max dans la gueule, instant. Oui, bah c'est un peu ce que j'ai fait là avec mon Ford quand je suis allé faire un câlin à la station essence, que j'ai pas bien freiné en fait.
Et j'ai pris j'ai pris 300 dégâts, Michael. Voilà. Ah, ça sert à quelque chose cette remorque ou pas là? La petite que t'as? Ouais. Bah c'est de la réparation. Ouais, donc elle sert à rien d'autre là, actuellement. Bah c'est pour ça que si t'as encore de quoi me réparer, je la veux bien. Bah j'ai plus rien dedans, donc attends, je vais aller chercher la deuxième. Sinon tu me dis, hein, je débarque comme ça. Hein. Comme ça t'as un 2537 toi aussi. Comment? T'as pris un gros camion russe aussi toi? Non. Attends, on a tous les deux pris des gros vous, alors qu'il faut jouer avec des mobilettes là. C'est ça le problème? Livrer du bois en mobilette là? Votre petite bûche minute? C'est le Uber Bush. Tu connais pas le Uber Bush? Tu livres en trottinette la petite bûche de bois. Chauffer le cul pendant 30 minutes. Ah merde! C'est ça que j'oublie d'ailleurs chez moi. C'est comme chez moi, il n'y a pas l'électricité, tout ça, tout ça. Ah, c'est compliqué d'être paysan. Hein. Je suis bien content d'être parisien. C'est genre, j'ai essayé de démarrer le poêle, j'oublie d'aller checker si ça avait démarré. Ah, ça, c'est embêtant. Ouais, tu sais qu'en plus, mais ça pareil, je ne peux pas comprendre les autoriser encore. J'ai un gars là, il a un poêle à côté de chez moi. Dès qu'il fout quelque chose dedans, putain, ça sent plastique cramé, je sais pas quoi là. C'est horrible. Ah non, les granulés là de synthèse, là, t'as des granules de synthèse. Attends, là, j'arrive. Non. Ah ouais, non, ça y est, je suis parti. C'était un peu trop long. Alors là, ouais, alors si t'as envie de faire comme moi, tiens, regarde bien là où je suis, hein. Ne va pas tout droit, tu fais bien le tour. Fais pas le tout droit. Mauvaise idée. Mauvais prank, bro, parce que le point de gravité est beaucoup trop sur le four, dans la réalité. Et encore, on a de la chance, il est censé être officiellement chargé avec un peu de matos de réparation. Et mais si on n'a pas de garage, c'est ouais. En vrai, les maps les plus dures du jeu, ce serait des maps sans garage. Mais actuellement, c'est ce qu'on est en train de dire. On ne sait pas où est le garage, on ne peut pas les réparer, on ne peut rien faire. Ouais, c'est heureusement que j'ai un D537, quoi, parce que sinon, je sais pas où. Mais encore, le mien s'est fait one shot contre un arbre alors que j'arrivais à 5 km au-dessus. Tu sais que tu peux escroquer avec ton Ford en tirant la remorque de réparation qui est à la station de carburant jusqu'à lui en fait. Avec un treuil. Ouais, t'as raison, ne le fais pas, tu vas planter des camions. Ah. Attends, mais comment ça se fait que je peux pas attacher la remorque? Attends, je peux passer en auto là, quand même. Hop là. Ouais, je devrais peut-être pas trop labourer les champs quand même. Vas-y, je t'en rejoins. Ouais, non, on va rester en première. Alors même si tu peux rouler plus qu'en première, hein. Enfin, reste en première. En un plus, non, un plus, je vais prendre des dégâts. La première, c'est bien. Tu crois? On a joué 5 minutes, il fait nuit. Trop bien. Dégâts refaits. Oh, par contre, le 1 litre par minute, hein, pour moi, c'est un devenir. Je comprends pas qu'on puisse cramer aussi peu de carburant. Je sais pas si c'est éthique, je sais pas si c'est autorisé par la Russie de cramer aussi peu de carburant. Mais en gros, autant rester en intégrale, parce que je consomme la même chose. En fait, votre moteur est tellement petit là-dessus que... C'est un rapide. Ça me fait toujours très bizarre de passer du D537 où la moindre branche, la moindre flaque, tu t'en pètes. Mais vraiment, c'est vraiment tu t'en fous. Ça n'existe pas. Je te conseillerais de te méfier, hein. Sur cette carte-là, ça m'a one shot. Hein. Oh, moi j'ai une grande maîtrise du sujet, tu sais. D537, ma veine, c'est ma vie. Hein. Oui. Je voudrais... Ah oui, je peux pas parce que... Je suis dans le car. Ok, bon, mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Voilà, là je mets ça. Changer de camion. Tiens d'ailleurs le D537, toi qu'elle l'arrête pas là.
peux pas réparer ce machin là, le... Ah. On se calme. Voilà. Semi-remorque utilitaire pour toi ici. Super. Et je crois qu'il y a pour toi aussi. Je suis pas sûr, attends, j'arrive. Ah oui, mais je peux même déjà, je peux même pas l'équiper parce que j'ai pas l'attache remorque sur mon. Mais non, on les a pas. Et il faut un garage. Ah, c'est la misère. c'est un peu compliqué là. Tu crois? Peut-être faire. Hein. Vraiment, avec toujours le jeu JPEG pour tes compteurs, ça me fume. Ah non, mais c'est ça. Mais toute la qualité du jeu, parce qu'en vrai, le jeu est qualitatif, hein. On va pas se mentir. Le vieux JPEG. ça me fume, parce que les mecs qui font des véhicules modés, je suis sûr que c'est même pas un JPEG. Ah oui, non, c'est certain. Mais je vais pas te mentir qu'il y a des monstres aussi, hein, dans les véhicules, dans les modes. Il y a un truc encore plus gros que le 537. Ah oui, ouais, ils ont fait des monsters machins et tout, ils sont régalés. Ah, mais excusez-moi monsieur, un peu de métal s'il vous plaît. Je dépose un peu de bois. Alors, c'est combien? Eh, c'est 2 points. Quoi? C'est 2 points mec. Attends, je vais chercher vite fait l'eau. C'est 2 points, il va falloir aller chercher toutes les remorques. Il y en a une pas très loin de mon D256 là. Ça c'est la petite remorque et petite remorque. Je vais prendre le 256 et je vais commencer à aller visiter le monde. Carburant, est-ce que tu veux bien te carburer toi-même? Ça serait formidable. J'ai pris beaucoup de dégâts. Ah, j'ai pas de PV sur celui-là. Enfin, j'ai pas de. Qu'est-ce que je veux dire monsieur? Est-ce que j'ai un différentiel bloquable? Oui. Bon, je pense qu'on peut négocier un truc ou deux. Alors par contre, partir de nuit sur une route que tu vois pas, c'est un peu compliqué ça. Mais allons-y. C'est parti. Oh, extrême les camions. Ah vraiment, ce jeu de la qualité, de la douleur et du sang. Par contre, on va voir que le jeu m'explique pourquoi le C256 là que je conduis, qui est très bien comme camion, pourquoi il coûte qu'un point. En vrai, il est très bien. Ah, peut-être parce qu'il peut pas avoir de grumier éventuellement. Mais encore, je suis même pas sûr. Peut-être qu'il ne coûte qu'un point parce qu'il n'a pas le grand port d'emport, de poids moyen en emport aussi. Et qu'il peut avoir que du coup. Hein, que de petit, tu penses? Ouais, c'était pas étonnant. C'est déjà un beau bébé le C256 pourtant. Alors là, il faudrait que j'aille à gauche pour aller récupérer la petite remorque. Ou que t'as moins de. T'as peut-être moins de. Comment ça s'appelle? De possibilités aussi dessus l'équipement. Je sais pas, mais en tout cas, qualitatif. Hein. On roule un peu avec. Hein. Où est-ce que tu pars là? Je remonte le trou, tu vois. Comme j'ai fait pour la première route où je l'ai suivi, là, je fais pareil avec le... parce que j'ai beaucoup de carburant avec lui. Donc. Avec pareil, avec le premier, je savais que je pouvais aller jusqu'à la station service, donc je l'ai fait. Si jamais et tu là, regardes sur ta carte, je suis ici, hein, avec le. T'es où? Ah oui, d'accord, tu vas vers le point de vue, quoi, à fond. Ouais, je voulais aller au point de vue. Donc si jamais. Et j'ai une remorque chargée un peu à côté. Chargée de rondins? Ouais. D'ailleurs, je peux regarder, ils nous demandent de ramener combien de rondins? Apparemment que. Que c'est, les séries sont marquées à travers les zones noires. Ouais, mais combien de points il faut ramener? 8. Il faut qu'on en ramène. Ok, ramène alors, oh, attention. Attention, j'ai un truc. Vas-y. En fait, là, je viens de rejoindre une route qui bifurque, qui, à première vue, me permet de me rendre jusqu'à la petite remorque. Attention. C'est parti. Petite marche arrière. Petit braque. Oh, braquer, on va pas prendre de risque. Un peu tout seul au boulot nulle part, on sait pas si un garage, on sait rien.
Je commence avec un véhicule, putain, ils m'ont filé un véhicule qui avait plus de 450 dégâts la fois. Je sais pas combien, mais sur 600, tu fais. Ça va, la buff? Ça va? Ils m'ont filé une cuve qui était même pas pleine et en plus ils ont même pas foutu le plein dans mon camion. Tu fais, ça va? Ça va, on s'en garde pas trop? Vite si je dérange. Hein. Ok, alors il y a plusieurs routes, mais je vais continuer à suivre celle-là. Ok, ok. Ça a pas l'air d'aller plus loin, ça va être une place là. Ouais, ça sert juste à faire des petits tours. Ah mais j'y pense, si la petite remorque elle se renverse et que le bois il tombe, on fait comment? Alors, franchement, vu comment je l'ai secoué, ça tombe pas. C'est vrai? Ouais, c'est un peu secoué. En vrai, je vais m'arrêter là parce que je vois rien. Et pour l'instant, bah, je préfère attendre que le jour se lève que de faire le couillon. Remorque utilitaire, petite remorque chargée. Ici. Remorque chargée là. Mais je pense qu'on a tout au même endroit sur cette carte là. Hein. Donc là où t'as ta remorque utilitaire, ouais. Remorque chargée, j'ai la mienne aussi. Hein. Hey, est-ce que tu veux que je prenne mon D537 pour aller révéler le point de vue le plus proche de la Syrie? Vas-y, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. C'est juste y part quoi. Trop sensible à manette par contre. Tout ça par contre de nuit je peux le faire. Je crois que j'ai réussi à éviter le terrain où t'as fait un backflip. Avec ta... T'imagines finir une map en moins d'une heure? Pourquoi y'a un succès de finir une map en moins d'une heure? Non. Ah, mais on pourrait en créer un pour nous deux. Ça me paraît compliqué. En même temps, là, j'ai l'air de vouloir faire un truc. Mais je vois vraiment que dalle, mec. Hein. Je crois que la carte qu'on a finie le plus vite, c'est celle avec les grandes autoroutes en camion. Derrière la map américaine. Là. Donc t'avais les grands camions américains? Ouais, et tu faisais mais on peut y passer à 180 là, sur la route. Ah oui. Je crois que j'ai toujours pas eu d'ailleurs sur ça, je crois. De quoi, d'aller à fond? Ouais. Ok, à chaque fois je me suis planté, j'ai pas réussi à le faire. Ouais, c'était... Un pouce. Un pouce, ce sera très bien. Je sais pas où elle est la série. Par rapport à moi là. Y'a pas besoin de différentiel? Ok, y'a des routes dans tous les sens, ça va me vénère. Des routes? Ouais, y'a des micro-chemins dans tous les sens, ça m'énerve un peu. Donc, moi je vais couper là, parce que ça me fatigue. Voilà. Ah, les camions russes, hein. C'est pas très écolo, mais hein, pour le reste, hein, qu'est-ce que c'est bien. La clé coco, c'est pas ça à bord. Et puis, hein, franchement, hein, les camions russes, dont le designer qui a monté le JPEG hein, en intérieur. Et d'ailleurs. Je sais pas d'ailleurs s'ils ont gardé. S'ils ont gardé ce fameux JPEG pour SnowRunner. Ah, oh, ça fera beaucoup rire. Bah, je trouve que je vais le savoir parce que moi, une fois que j'ai fini ce let's play, je vais attaquer SnowRunner. Ah, t'es pas SnowRunner. Tu sais quoi? Heureusement. Tu pourras pas me demander de venir, je vais pas. Oui, je sais que t'as pas voulu le prendre. Je bûche pas. Un solo cul, c'est pas grave. Alors que pour le coup, il y a vraiment de l'univers. Avec une map genre monde ouvert, justement. Et moins par mission par monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est t'as un bout de map et tu agrandis ton bout de map. En fait, tu fais de la conquête de map, on va dire. Ok, ça servait à rien ce que t'as fait. Alors? Regarde ce que t'as révélé. Bah, on voit de l'eau. C'est de la merde. Oui, mais on voit les passages éventuellement où tu pourrais être bloqué par la rivière et par où tu peux éventuellement passer. C'est pas une rivière. Hein. Enfin, l'espèce de ruisseau dégueulasse là, Bouillasque au nord là, ou je sais pas quoi. Je vois par où je peux raccorder avec ma petite remorque. T'es là, t'es en train de critiquer là. Mais moi, pendant que tu critiques, mec.
Je prends mon Chevrolet. Je prends mon Chevrolet et j'y vais. Mais attends, regarde, écoute, la petite remorque chargée là-bas, je suis même pas. On va se faire chier alors qu'on doit atteindre celle qui est à côté des. Je sais pas, j'en ai une moi plus au nord, vers le Hummer. Vers ton Hummer? Ouais, j'en ai une. Est-ce que toi, moi j'en ai un vers mon D256. Attends, ton Hummer il est où? Mon Hummer il est là. Oui, c'est ça qui est à côté, qui est pas très loin, le ouais. vers mon C256 qui est ici. C'est ça? Et. Déjà, ouais, on est assez si proche. Ouais. Si tu peux réparer mon Hummer, je peux sans doute récupérer la remorque avec. Et dans ce cas-là, on aurait juste à prendre la route et à revenir à la série après. Alors, je te cache pas que la réparation, c'est un peu ce qui me fait défaut. T'as pas de réparation? Pas de route de secours. Rien. Ah. Ouais, et bah, coup, pas le faire les Chevrolet et aller chercher des trucs là-bas. Hein. C'est pour ça que j'aimerais scouter le chemin à fond avec mon C256, mais j'ai l'impression que c'est mort, donc je vais y aller au. Vas-y, vas-y, au on prend les Chevrolet, on va chercher la remorque là-bas. De toute façon, on en ramène une seule et on a fini. Attends, je suis en train de partir pas où, mais... Oui. Non ouais. Je sais pas, j'ai mis combien? Non, j'ai mis 4 points. Hein. Non, t'as mis 2 points, et moi j'en ai reposé 2. Mais si on va chercher la remorque, oui, si on va chercher tous les deux notre remorque, on est bon. Laquelle? Celle qui est. Celle qui est à côté de 256, à côté de Tourneur, ou j'en sais rien. Mais il faut qu'on en ramène une chacun. Et on est bon. Mais pourquoi est-ce que tu passes par là alors qu'on peut passer par la route? Je passe par une route là. Mais là tu fais le tour. Comment ça je fais le tour? Attends, elle est où ta remorque là? Que tu veux me montrer? Ma remorque, elle est en face de ton D256, tout en haut. Oui, j'en ai une là-bas, et sinon il y en a une tout à gauche. Sauf que bon, c'est une tout à gauche. Ouais, tout à gauche, en bas à gauche. Non, mais en bas à gauche, je l'ai déjà amené, c'est celle que j'ai amenée. Non, à côté de la, pas loin de la station service. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. On n'a pas la carte dans le même sens, c'est pour ça. Yes, alors on va tous les deux se prendre le nord, il est où le nord? Le nord, voilà. Voilà, voilà, je me suis mis sur le nord, donc voilà. au sud, j'ai une remorque, chargée au sud-ouest, oui, et j'ai une remorque chargée en gros au nord-ouest, oui, et bah pourquoi tu prends pas la route qui est au nord? Mais parce qu'il y a des marais. Mais et alors, on a les 257 là-bas. 537, et non, moi il est au milieu de nulle part mon 537 là, c'est... Bah mais moi je l'ai. Le mien, juste là. Donc plutôt que se faire chercher ouais, par donc, le grand tour, en fait, ouais, t'es en train de me dire, ouais, je prends mon 537, je vais chercher cette connerie, et puis je la ramène, et l'autre, il a plus qu'à le charger. Ouais, je comprends pas, en vrai. Bah, pas forcément ce que je disais, parce que moi, je peux pas le prendre, j'arrive pas à le tirer. Donc moi, je vais y aller avec mon petit Hummer, en passant par les marais. Bien sûr que si, on arrive à le tirer. Moi, j'arrive pas. Faut que j'aille par là. Et voilà, pendant le message. Tiens, c'est pas très professionnel, ça, clairement. Même pas des vrais marais. C'est même pas des vrais marais, Knarfon. Tu passes dedans en automatique. Hein. Oui, ce serait bien. Moi, je ne sais pas, je suis sur la montagne, ça serait bien aussi. Non, non, avec le petit camion. Ah, moi, je suis avec le très gros, j'en ai rien à foutre, je fais tout droit. J'ai une flèche sur mon radar, je fais tout droit. Bon, je pense que le seul moment où t'es emmerdé, c'est quand il y a une montagne. Parce que je peux pas passer à travers. Alors, je vois un élément. C'est quoi cet élément? Ah, c'est toi! Avec ton Ford. C'est moi? Avec oui. ton Chevrolet, excuse-moi. Ah, ton Chevrolet, ouais, c'est moi. Ouais, ouais, je suis un Chevrolet. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai essayé, mais j'arrivais pas à prendre la remorque. Avec le D737 en fait. T'as pas réparé les dégâts sur ton Chevrolet ou pas? Non, j'ai plus rien. Ouais. C'est pour ça, donc si je meurs, tu pourras me tirer. Bah, si je meurs pas non plus, parce que moi je commence à être à 438 dégâts. Non, à... Ah non, 123 dégâts sur le front. Oh là, je suis où? Ok, donc là je vais tout droit.
Ah! On est là. On est obligé de passer en bloc différentiel parce qu'ici il y a de la boue. Dans la montagne. Merci. Et donc finalement t'es juste en train de faire la même chose que ce que je voulais faire. En fait. Ouais mais on parlait pas de la même chose. Je pensais pas qu'on parlait de la même chose. Je vois rien du tout avec la boue. Méfie-toi ici. C'est là que je suis mort tout à l'heure, typiquement. Ouf, 155 de dégâts en frôlant un arbre. Ouais, non mais c'est cette map, essaye de te tuer. Fais le tour, tu donnes. T'as repris le dégât là ? Oui. Frôle un arbre, prends 800 dégâts. Touche un caillou de plein fouet, 100 dégâts. Oh merde. Bon, je passe en première en bug différentiel parce que moi je passe pas comme dans. Pas trop vite, hein. Okay. Pas trop vite, okay. Ah bah là, là, là moi, ma remorque est déjà renversée, là. Rien à foutre, elle bouge pas. Allez, salut, je me casse au sein. A plus tard. Je vois ta remorque qui fait des backflips, que ce soit un cube noir. Ouais, c'est ce que je te disais, hein. Faut pas trop regarder derrière soi. T'as des surprises. Là, actuellement, elle est sur mon camion. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on va quand même contourner cet objectif là. Donc, quand même, pas non plus, c'est d'abattre des sapins. 20 ou 30 ans, quand même. Oh, il y a une côte. Oh, la côte. Ah, là, c'est juste que j'étais en un pouce, ça passe. Ah chef! Vous avez meulé le terrain devant moi? Un truc que. Peut-être le seul truc que je reproche au jeu, c'est l'espèce de pâté de boue que ça fait sur tes roues quand tu roules dans la boue. Ouais, déjà c'est bien stylé parce que par exemple, ils sont pas capables de faire une boue dynamique. Ouais, non, mais c'est peut-être le seul truc que je peux reprocher à ce ouais, jeu-là, et le fait que les dégâts soient distribués de manière aléatoire. Oui, ça par contre, c'est ça que les dégâts. Mais bon, malheureusement, c'est pas le seul à avoir des problèmes de dégâts de collision. En vrai, t'as aucun jeu qui gère bien les dégâts de collision. C'est une technologie qui est pas encore maîtrisée. Non, mais. Parce que je sais pas s'il y en a qui ont vu l'épisode où on jouait avec les camtars américains sur les autoroutes. Je me souviens qu'il y a des moments où j'arrivais à fond dans des murs et je pouvais repartir après. Fils de pute. Et on parlera pas de ce. T'as meulé le terrain. Narfang, que je te déteste. On va pas plus que ça en vrai. Et en vrai, j'ai pas meulé le terrain puisque normalement tu n'as pas les effets que moi que je fais sur la route. Ah, c'est pour ça que quand je suis arrivé sur le terrain sur lequel t'es passé, mon camion il a fait pouf. Oui, mais parce que c'est toi qui l'as meulé avant, mec. Mais je l'ai pas meulé avant. Absolument. Vraiment, je suis passé, mon camion il est tombé dans le trou. Tu sais, c'était sur le caillou virage là où je suis passé sur le rocher en faisant le malin. Bon bah moi j'amène ma remorque hein, mec hein. Bon à l'envers, enfin, à l'endroit.
sur le côté. Enfin, bref, elle arrive. Elle arrive dans un sens, peu importe lequel. Elle arrive. Pas forcément le tu meilleur. Arriver, je vais arriver mais... à la scierie, le mec va dire, je prends pas cette remorque. J'ai commandé du bois, pas de la boue. Ah. Tain, c'est dommage, je devais faire un bon petit 2 tonnes 5 de boue, monsieur. Mais sinon, il y avait pas une remorque sur laquelle était posé le bois. Vous avez une petite remorque grise en métal. Vous voulez parler de cette boule immonde sur laquelle est posé le moi, bois. Moi, je prends des dégâts, c'est vachement profond le marais. T'amuses pas à couper, hein, le marais, hein. Prends bien la route, hein. T'es en train de te noyer ? Bon, non, mais j'ai quand même bu la tasse, j'ai plongé la tête en avant. Mais... Ah ouais ? Voilà, moi, j'ai un camion propre quand j'arrive à la Syrie, ou à peu près. Hein, t'as coupé. T'as coupé, c'était l'autre route qu'il fallait prendre. En fait, fallait mettre les deux pieds dans le marais. C'était plus simple. Non, ah, peut-être pas. Non, bah non, je suis passé un peu mieux même. J'ai coupé par là en venant. Si on a fini le jeu en... Attends, il est quelle heure là ? Non, mais faut qu'on aille faire les différents points de vue, mec. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Moi, je te préviens, je ramène pas ma remorque. Hein. Oh y'a... putain. Y'a pas de ça, mec. Hein. Alors, t'es censé être chiant, ils sont loin en plus. Comment ? Attends, je vais où là ? Hein ? Ah, je suis allé paumer ma bagnole ici, moi ? Je me rappelle même pas, tiens. En plus, j'ai plus d'essence dans mes camtars. Ah, ça, c'est ton problème, mec. Oula, 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 oula. On s'envole. C'est vrai qu'il faut rester en 1. C'est vrai qu'il faut rester en 1, j'avais oublié. En vrai, pas mal le Chevrolet, hein. Ouais, ouais, ouais. Bonne surprise. J'étais étonné qu'il s'enfonce pas comme ça. Et puis pour un Chevrolet, je suis étonné qu'il ait un bloc différentiel. Ouais. C'est vrai qu'il faut commencer par là. Ah mais toi, t'as la tâche remorque sur ton 537, t'es bien. Non, je peux pas le prendre. Ça, tu viens de le prendre. Je peux pas le prendre non plus, la remorque. Ah oui, parce que oui, c'est pas adapté à la taille de nos camions, mais ouais. Tu l'as, je veux dire, t'as un petit équipement ah, que oui. Moi j'ai pas. Bah après, j'ai pas eu de réparation dessus, hein. Le pack il est vide, hein. Je suppose que t'as apporté déjà tes points. Ouais, bah ouais, bah ouais. Du coup, go explorer le reste de la carte, hein. Alors, j'ai un. En vrai, en 537, ça va vite, mec. je vais prendre le 256 et je vais aller prendre le point de vue le plus proche de mon C256. Moi je vais essayer d'aller faire là. Et à première vue, c'est un madame. Ah ouais non c'est mort en fait. Si attends c'est trop possible. Non c'est le truc en haut de la montagne non. Ouais. C'est mort. Et puis en plus je viens de le coincer. Donc bon bah voilà. On va prendre le 537 puis on va y aller avec le 537 parce qu'il y a que ça qui marche. Hein. De toute façon, t'es déjà dessus, toi, c'est ça, non? Bah, je suis à côté avec le Hummer, mais j'ai pas de réponse. Ah, mais t'es calé avec le Hummer. Ouais. Quelle idée d'avoir tué un de tes camions aussi. Mais c'est du carburant! 56 litres! Super. Trop content. Et bah, finalement, c'était facile comme map. Je l'ai dit, faut pas remorquer. Allez! Méchant. Vous voyez ce que je dois subir à chaque fois? Oui. Tout ça pour pouvoir jouer au DLC de sans équipe. Oui. Dans ce cas-là, moi je peux le faire à l'effet inverse, hein. Franchement, tu joues avec moi juste pour pouvoir jouer au DLC de sans équipe en fait. T'es même pas un pote en fait. T'es juste un gros bâtard. Tu sais, j'ai 4 tarts en tête, moi, ça y est, je suis fini. Hein. T'es bon, quoi, putain, il travaille vite, hein.
Incroyable. Waouh, je suis avec mon 257 et je viens de passer un endroit où mes deux pneus avant ne touchaient plus le sol. Bon ça. Par contre, je sais pas si mon carburant ça va le faire. Hein. Ah, c'est pas grave, ouais, je peux m'arrêter à côté de mon dossier 256 pour me gagner un peu. Je peux compter sur. Ah, il y en a encore toujours un par contre, hein. Deux points. Bah, il y en a deux à aller chercher. Mais oui, je veux dire, je vais aller révéler le premier là. Ouais. Je vais faire le plein. Ah, bon, c'est 256, si jamais t'as besoin aussi. Hein, il peut te mettre une dose, un petit shot. Ah, déjà, je vais essayer d'aller chercher le. Non mais attends, c'est derrière moi en fait là. Oh mon dieu, l'idée à la con. Oh mon dieu, l'idée à la con, Raphaël. Ah non, c'est ça, je pouvais continuer encore un peu. On va grimper ça. Première différentielle, tout ce qu'il faut. On est un 537. On a été conçu pour monter le mont Everest. Quel est le problème? En arrière. Ouais. Et celui du dessus, celui que j'aime bien, c'est ça, ça profite d'ailleurs, je crois. Celui avec sa tête de bateau, lui, il est fait pour fondre les océans, il a joué. À ce qui paraît, ils ont conçu leur sous-marin à partir de ce modèle. Peut-être pour ça que ça ne marche pas très bien, ce sous-marin. Peut-être pour ça que c'est pas là. Je suis en train de me dire. On ferait mieux de revenir au boat, hein. Ça coûte moins cher, pas trop bien. Ouais, c'est vrai qu'après les hommes en Russie ça change pas beaucoup. Mais non, je... Ah, je suis bloqué. Non, je suis bloqué par un vulgaire caillou. Avec quoi, 257 537. Ouais, ouais, bon, c'était le caillou de trop, abandonné, à côté de trois en pente, hein, t'as le caillou au milieu, il vient s'accrocher sur ton arbre-câble, il fait bon là, ça sert à tes conneries, t'avances plus. Bon, tu fais une petite marche arrière, tu tournes un peu et puis c'est fini quoi. Après j'aurais pu insister comme un connard pour voir si je l'enfonçais dans le sol, mais c'est bon, peut-être arrêter les conneries 5 secondes. Attends, parce que là je vais descendre, je vais mettre le frein à main et je vais descendre la montagne au frein à main, je pense. Hein. Ah, on est là. Ah ouais, parce que là, bon, j'ai 100 points de dégâts et je perds mon véhicule. Hein. Ah, on est là. Ah ouais, c'est mon dernier en plus. Quoi? On se dégâts pour ça? Non mais c'est la gueule du mec. J'ai croisé une grosse motte de terre là. Je vais mal faire. Allez, je vais révéler un point. Ça me fait plaisir. C'est révélé, ouais, monsieur. Il faut jouer avec les petits. Faut jouer avec les petits véhicules, c'est bien pour faire les points d'observation. On se ramène avec les plus gros parce qu'on n'arrive pas avec les plus. Mais en même temps, c'est les meilleurs. Je veux pas faire le mec, mais bon, c'est quand même les meilleurs, on est abonné. Ouais, on veut pas, mais. Une fois que tu les as débloqués, toutes les missions paraissent plus faciles. En même temps, elles ne peuvent pas être plus dures. Disons que si tu n'arrives pas à faire les missions avec ces canons-là, je pense qu'il faut rester. Ah oui, c'est ces cuves qui accrochent. Non, c'est pas des cuves carrées pourtant, normalement. Ouais, c'est passé. C'est bon, on est parti. Bon, finalement, j'ai pris le 256 pour aller chercher le dernier point, ce qui m'a l'air d'être plus ou moins à côté de la route. C'est bon, je suis à côté. Par contre, je peux pas partir tout le monde. Jouer mec.
Vas-y, je te laisse faire la ligne. C'est parti. Non, où est-ce que je peux pas bouger? J'en profite pour revenir vite fait, parce que là, je crois que je vais me faire laver. S'il y a neigé et tout, chez moi. Ah oui. Il y a peut-être des trucs pétés dedans. Genre. Ah, vas-y. Hein. En mode automatique, on fait le fou. En vrai, avec les pneus sous gonflés qu'ils ont, comme ça va chasser de ouf. Je vois des gens en plus comme on chasse des pneus sur le sous gonflé quand ils sont un peu trop froids. Franchement, méga poids lourd comme ça, méga galère. Turbo galère quoi. Ouais, ça ressemble à la civilisation ça. Passe là. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Tellement rapide, tellement rapide. C'était la dernière carte de Spitfire Mud Runner. On se retrouve, je pense, une prochaine fois pour SnowRunner. Par contre, je serai très probablement en solo. Ce sera beaucoup moins drôle. Hein. On n'aura pas de potes qui auront craché leur véhicule au milieu de nulle part, mais voilà. Et bah je pense que The Soldier du 44 il me fait des bisous. Je vous laisse profiter de ce petit bout de métal. Musique de jeu à des boîtes en fait. Des bisous YouTube.